Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous montrer le résultat terminé avec ma filière dans mon couvert avant. Alors on se trouve à voir. Alors aussi, j'avais mis le petit onglet, pas l'onglet, la petite attache parisienne que j'avais depuis plusieurs années. Et puis, alors je l'ai installé avec les pattes derrière, c'est correct. C'est derrière l'enveloppe, puis ça n'encombre pas. Avec tout simplement une ficelle. Alors la ficelle, je l'ai posée ici avant de mater. Et n'oubliez pas, quand vous posez une ficelle, c'est toujours avec la petite loupe ici, là. Ça fait comme un U ou un O, pour que quand on tire dessus, que ça ne cède pas et ça ne sorte pas. Parce qu'ensuite, on n'a plus accès pour aller la poser. Et puis, j'ai mis deux petits cœurs ici, j'ai collé avec la colle à tissu que j'utilise toujours. Alors, chaque côté de ma ficelle, et elle aussi, j'ai mis un petit U. J'ai fait ma ficelle en U pour pas que ça ressorte. Voilà. Alors, je me trouve avoir mes deux filières ici, mes deux enveloppes, ici, ici, ici. Et puis, là, ici, je n'ai pas fait de pochette derrière. Souvent, je fais une pochette, mais là, j'ai déjà la pochette ici. J'ai la pochette ici. Alors, je trouve que c'est suffisant. Alors, derrière, ça se trouve être la bande transverse. Alors, derrière, j'ai cette carte ici que j'ai faite. Alors, j'ai laissé ça ouvert ici. Je vais mettre des photos. Derrière, j'ai fait ceci. J'ai mis un onglet que j'ai collé derrière. Alors, deux cercles que j'ai collé dos à dos. Et puis, j'ai collé derrière ici environ la moitié, un peu moins. Qui fait que, alors, on peut ouvrir facilement comme ceci. Et puis, on l'installe ici, puis on a accès facile pour la sortir. Voilà. Et puis, là, ben, il va rester à faire le cube joyeux pour aller à l'intérieur. Alors, je vous ferai plus tard, à la fin de tout. Alors, voilà, c'est cette interaction. Ensuite, ici, il me reste la page à 13 faces. Mais là, je crois que je vais être capable de la faire à 17 faces pour avoir des rabats au bout finalement, de mes rabats horizontaux. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez calculer une feuille de papier de la hauteur ici. Alors, moi, je me trouve avoir la hauteur de ma doublure de page parce qu'on travaille là-dessus, moins environ 3 mm, 3 ou 4 mm pour pouvoir mettre un fermoir quelconque pour que ça soit facile d'accès. Et puis, ensuite, je me suis fait une marque environ 4, 5 même mm et une couture. Puis, je vais calculer la largeur aussi. Ici, j'ai mis une marque de ma doublure de page parce que ça devient notre format. Alors, je ne donne pas les formats parce que ça dépend de les mesures, parce que ça dépend de ce que vous avez comme une doublure de page. Alors, la hauteur plus un gousset de 4 mm ou 5 mm plus une couture. Puis en bas, on laisse 3 mm plus court. Et puis la largeur exacte de... moi, je vais mettre 5 mm. La largeur exacte de votre doublure de page. Alors là, je vais en couper une deuxième de même format. Alors, même largeur. Parce que là, on va avoir besoin de deux. Une en haut, une en bas. Ça va être deux des quatre rabats. Ici. Puis je vais faire la même chose en haut ici. Puis je vais faire approximativement. Alors là, il faut idéalement se contenir à l'intérieur de notre... de ici à ici. Alors de du dessus, finalement, du rabat du dessus, il faut être au moins... gros maximum, la même hauteur, même 1 mm de moins minimum. Alors moi, je vais faire un petit peu plus étroit. Alors je vais aller à la ligne avant, alors 3 mm plus étroit. Et je vais faire aussi la même chose. Alors 4, 5 mm de gousset. Alors ça, c'est fait pour ces deux-là. Alors on va les poser tout de suite, puis on va faire les autres après. Alors j'efface mes marques. Je biseaute les coutures un peu. Même chose pour les deux ici. Ça. Alors je vais poser. Alors je vais plier mes deux lignes de pliure ici. Je vais mettre la colle sur l'extérieur. Alors ça se trouve être ici. Extérieur de la couture. Puis je vais coller tout juste en haut. Sur ma doublure de page. Puis, vous vérifiez aussi à la base, à savoir si vous êtes égal sur les côtés. J'ai peut-être un petit quelque chose ici, pas tout à fait, mais je vais le tasser un tout petit peu. C'est même pas un millimètre, alors je vais le tasser un tout petit peu. Comme ceci. On presse la couture, on enlève l'excédent de colle. Je fais la même chose ici. Ici. Exactement la même chose. Je
le collier en bas. Tout juste. Bon, là, avant de faire ça, j'y ai pensé tout juste avant. Il faut penser au fermoir, hein, n'oubliez pas. Alors, avant de coller, je me suis taillé une petite chute d'environ 4-5 cm par environ 6, comme vous voulez, le format que vous voulez. J'ai fait deux lignes de pliure. Alors ici, j'ai fait une ligne de pliure à 4, mais il va falloir que je fasse. Bon, alors finalement, j'avais récupéré une petite bande. Et puis, il y avait déjà un gousset, mais là, je vois qu'il n'est pas suffisant. Alors, il faut que ce soit au moins l'épaisseur de votre gousset, de votre abat d'en bas. Sinon, même un peu plus, 1 mm de plus, ça serait bien. Bon, alors là, j'ai déchiré, j'ai coupé parce que j'avais collé tout ça sur la base du rabat d'en haut. C'est vraiment sur la base de la page, sur la doublure de page qu'on installe tout ça. Alors là, ici. Puis en plus, j'ai un peu trop large, je pense. Un petit peu plus large ici. Ça va être comme ça. Bien droit. Alors, il faut que, après avoir placé votre petit onglet ici, il faut que vous placiez votre rabat pour libérer le pli. Bien droit en haut, bien droit en bas, comme ceci. Alors, vous placez droit en bas, égal sur les côtés, puis vous vérifiez que ce soit bien égal en haut aussi, avec le rabat bien aplani, avec le gousset bien aplani, comme ceci. Voilà, c'est mieux. Alors, il a fallu que je déchire, j'avais tout collé ça ici, imaginez-vous donc. Alors là, on prend la largeur. Alors, je vais me faire une ligne de pliure. Je vais enlever tout ça. Ça commence à être grand à travailler, là. On travaille sur les interactions des couverts, là. On a toujours bien grand. Alors, je vais me faire encore là une couture d'environ 1 cm. Puis, je vais me faire un gousset de 3 mm, je devrais être correct. 3 mm. Même chose le côté pour la deuxième. Vous pouvez aller à 4 mm si vous voulez. Moi, c'est parce que j'ai du papier tellement épais que 4 mm, j'ai l'impression que ça serait un petit peu trop épais pour que l'autre, pour que les goussets des rabats verticaux n'écrase pas celle-ci. Alors, si j'avais fait plus large, je me serais trouvée à avoir à écraser mes goussets ici quand je ferme ceux-ci. Alors, moi, je me suis enlevé 2 mm. Vous pouvez enlever 1 mm si vous avez du papier cartonné un peu moins épais que le mien. Moi, c'est du 300 g. Alors, 250 g à 216 g si on descend. C'est correct. Vous pouvez faire 4 mm. Alors, ici, je vais mesurer qu'est-ce que c'est que j'ai. Si je place. Alors, avec le gousset ici que je vois, alors juste la couture qui est pliée derrière, si je la place tout juste sur le côté, alors c'est pas nécessaire que je me rende au côté ici, si je veux avoir un rabat ici qui est d'un bon format. Alors, je vais me garder quand même une bonne largeur ici. Je vais faire ces deux lignes de pliure sur les deux. Alors ici, si je mets ça bien droit ici, ça me donne 7 pouces 3 8. Alors, juste un peu moins large que votre espace que vous avez sur votre page, comme ceci. Je fasse ma marque. Et puis, je vais plier comme ceci. Alors ça, ça va se trouver à faire 4 faces de plus. Ces deux rabats-là de plus. Ça se trouve à faire 4 faces de plus. Alors là, on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puis, si on veut, on peut ajouter d'autres petits rabats à l'intérieur. Moi, je vais le faire. Alors ici, la colle sur l'extérieur de la couture, comme on avait fait pour les deux autres rabats. Puis, ce n'est pas nécessaire de les installer exactement au centre. Alors moi, je vais en mettre un petit peu en haut. Je vais me garder environ 4-5 mm. Ici, je m'assure que ce soit bien parallèle en haut avec ma page, bien égal ici le long de ma doublure de page. Comme ceci. Je fais la même chose sur l'autre. Si ce n'est pas nécessaire de biseauter des coins de la couture, si vous ne collez pas directement sur le coin de la page. Et un petit peu en haut, même chose. Je fais la même distance par rapport ici que ce que j'avais en haut ici. Question d'être un petit peu régulier. Puis, je vais me placer bien à l'intérieur. Bien droit. Comme ça.
Voilà. Bon. Ensuite, vous pouvez soit prendre une nouvelle feuille ou si vous avez des chutes d'une largeur intéressante. Moi, j'en ai vraiment pas. Ça veut dire que j'utilise vraiment tous mes papiers. Alors, je vais couper deux petites. Je vais couper la page en deux, le papier en deux. En plein centre. Alors, moi, ici, vu que j'ai 11 pouces, je vais à 5,5. Aussi, vu que j'ai 28 cm, je vais aller à 14 sur le plus large. Je vais couper ici. Si jamais c'est pas exactement pareil, c'est pas grave. Ici, j'ai une petite différence. Peut-être le couper, là, mais ça serait pas un drame qu'il y ait une petite différence. Voilà. Je vais me faire encore une ligne de pliure. Pas de gousset. Je vais faire un gousset d'environ 1 ou 2 mm, juste pour dire que ça aide à plier. Et puis, que vu qu'on va avoir du papier design à l'intérieur, sur le fond de l'interaction, et puis des photos, donc l'espace photo, à ce moment-là, peut-être en ayant un petit gousset de 2 mm, ça va aider à tout contenir ça. Puis là, je vais vérifier si c'est pas trop large. Donc, si ça se trouve être tout juste. Alors, je vais en enlever environ 3-4 mm sur la largeur, parce que j'aime bien être un petit peu plus petit. J'avais peut-être un peu trop large avec mon 21,6. Oups, c'est mieux. Alors, j'enlève 3 mm. Alors, je vais plier ici. Puis, vu que j'ai moins que 3 mm de gousset, j'aime bien accentuer mon gousset avec mon plioir comme ceci. Faire deux beaux angles droits plutôt que d'avoir un pli arrondi. C'est plus joli. C'est pas nécessaire d'arrondir de biseauter les coins. Les coins de la couture parce que on n'est pas sur un coin, à moins que vous lui mettez sur un coin. Alors moi, ce que je vais faire, c'est un petit peu embêtant à travailler parce que c'est grand, là, ça commence à être grand. Alors je vais en mettre, vous pouvez les mettre verticaux ou horizontaux, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le mettre comme ça ou comme ça. Je pense que je vais le mettre comme ça. Ça va être embêtant pour le coin ici. Alors je vais le mettre comme ça, tout juste pour libérer le pli intérieur de mon rabat d'en haut, bien égal ici. Alors, je vais quand même pouvoir mater facilement ici. Okay. Je fais la même chose avec celui d'en bas. Puis, tous ces coins-là, je vais tout les arrondir. Ça fasse plus joli. Ensuite, il vous reste qu'à mater tout ça. Ici, il manque une autre. Alors, il vous reste juste à mater tout ça. Alors, ici, je m'étais laissé environ 1,2 cm. 1 demi-pouce. Alors, je vais laisser la même chose ici. Question d'avoir un petit peu de régularité dans nos installations de rabat. Alors, on a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Puis, on va mettre un aimant ici. Alors, ici, moi, je vois... Alors, ça, attendez la toute fin avant de décider de votre gousset ici. Parce que vous voyez ici, là, c'est tout juste. Puis avec tout le papier de matage, moi, je pense que je vais probablement en avoir pas suffisamment. Alors, placez votre aimant peut-être ici, environ 5 cm, pourvu que ça soit plus qu'un centimètre du bord ici. Parce que vu qu'on va ajouter le gousset plus, ça va baisser le bord ici. Donc, il faut qu'on se retrouve avec un minimum de 5 mm à la fin. Donc, mettez vers 1 cm ici, puis... vous devez coller ici celui-ci, mais lui, on va le changer de place. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Alors, ici, j'ai des aimants. Alors, ici, je vais prendre un aimant juste 8 mm, c'est suffisant. Deux petits aimants ici. Alors, ou bien vous placez ici. Alors, vous voyez, je me laisse un gros centimètre et demi presque. Puis, on va sûrement avoir à déplacer l'aimant. Comme ceci. Alors, vu qu'on va déplacer, on va augmenter ici, donc tout le gousset, tout le rabat fermoir va se trouver à descendre. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on se garde une bonne marge de manœuvre ici. Alors, ici, lui, je vais le mettre quand même à peu près là. Lui, c'est correct. Parce que lui, il faut qu'on le mette avant de mater. Alors, c'est pour ça qu'on doit l'installer tout de suite. Alors, lui, je vais l'installer tout de suite là. C'est correct. Puis, on ajustera celui-ci si on a besoin de descendre ou monter. Alors, ça, vous allez mater l'intérieur ici. À la toute fin, après avoir tout terminé, vous allez faire l'intérieur parce que, comme je vous dis, si vous avez à déplacer à refaire un gousset plus large pour tout inclure ce qu'il y a ici, et puis déplacer votre aimant, bien, il sera temps de le faire. Et puis, à ce moment-là, bien, vous allez avoir un fermoir
qui convient bien. Ici, je trouve qu'il est vraiment trop... Il n'est même pas encore suffisamment large, imaginez. Là, je vais vraiment le déplacer. Alors, c'est ça. Vous mettez tout ça, et puis... Voilà. Alors, je voulais faire, dans cette série, je voulais faire un shaker. Alors, je ne peux pas le faire sur le dessus de l'album parce que j'ai du quilling de prévu. Ici, j'aurais pu le faire ici, mais il aurait été trop petit. Et si jamais vous décidez de faire un peu plus grand ici, puis faire un petit shaker, j'avais fait ça avec l'album... est-ce que c'était Pirou? Je crois que c'était plutôt l'album Disney, je crois. Ici, j'ai un petit coin ici qui n'était pas bien. Alors... moi, je l'ai fait trop petit pour faire un shaker. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre tuto. Alors, dans les tutos express, un shaker avec acétate. Et puis, c'est le même principe. Finalement, c'est la même chose que quand on fait avec le plastique et une cartonnette derrière. Moi, je vais mettre acétate des deux côtés. Alors, genre ma cartonnette couverte de papier uni entre les deux couches d'acétate. Et puis, je vais finir le contour. Puis, ça va être clair aux deux côtés. Alors, ça sera peut-être quelque chose à mettre dans une pochette ou quelque chose. Peut-être qu'on pourrait le mettre ici à l'intérieur, après, dans la pochette ici sur le dessus. Ça fait comme un petit élément amusant, finalement. Puis, si vous voulez aussi, vous pouvez faire le shaker. Puis aussi, un espace derrière. Peut-être que c'est ce que je vais faire pour faire de la nouveauté. Alors, j'ai le shaker avec deux épaisseurs d'acétate, avec des séquins à l'intérieur. Puis, une fois que j'ai fait ça, avant de tout terminer, j'ajoute une autre épaisseur d'acétate derrière, mais je n'ouvre pas, je ne ferme pas, je ne colle pas le haut pour qu'on puisse insérer une photo à l'intérieur. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais vous revenir avec un tuto avec ça. Je vais le mettre dans mes tutos express. Et puis, tout comme le cube joyeux. Alors, je vais vous mettre les deux liens. Je vais quand même les publier dans la série de cet album, mais vous pourrez les retrouver ou bien dans cette série, dans le playlist de cette série, ou la playlist des tutos express, si jamais vous les recherchez plus tard. Alors voilà, alors je vous reviens avec tout ça terminé et puis on pourrait procéder, ou même on pourrait procéder tout de suite au système de reliure pour installer nos pages. Alors je vous reviens avec ça la prochaine fois, parce que là vous avez suffisamment de travail, je crois, pour la journée. Et puis bon, moi aussi j'ai travaillé suffisamment aujourd'hui. Alors je vous reviens avec ça et puis ça va être presque la fin de notre série, de notre projet. Alors à bientôt, merci, bye bye.